le skate à grâce à Seigneur, le skate à grâce à Seigneur, revêtu nous pas ta plénitude, revêtu nous pas ton onction, revêtu nous l'éternel est Dieu, revêtu nous l'éternel est Dieu, Emmanuel est le roi des rois, Emmanuel est le roi des rois, il n'y a pas Dieu merveilleux comme toi, tu es le chair et le sac cavalerie, il n'y a pas Dieu comme toi le Seigneur, nous avons plongé nos vies, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé toutes les choses, nous voici devant toi l'éternel, nous voici devant ta grâce et ta puissance, nous voici devant toi le Seigneur, il n'y a pas Dieu puissant comme toi, il n'y a pas Dieu puissant comme toi. Jésus, on a besoin de toi, les dieux tout puissants. On a besoin de toi, répare ton esprit, oh Abba Papa, Abba Père. Ton bénédicte, Jésus, mon nom est saint, tout l'ensemble. Mon nom est saint, tout l'ensemble, prends les contrôles, et Christ, la vie, son attend, mon alléluia. Pour être mort, pour te faire qu'il soit ma sainte volonté, oh Dieu. Ton bénédicte, mon nom est angouya. Ton bénédicte, mon nom est saint, tout. Ton bénédicte, au Père des gloires. Tobelelio l'alliance des dieux, Tobelelio l'esprit du feu, Tobelelio l'esprit de la multitude, Tobelelio les conseillères, Tobelelio les prédicateurs, Tobelelio les dieux qui délivrent, Tobelelio les dieux qui opèrent des miracles, qui t'en a bon temps, Benayo Saint-Esprit, Moli Momo Saint-Unantambe, nous en avons cinq à Nayo, nous en avons cinq à la présence Nayo Abba Papa. Tu es l'éternel Dieu des hommes. Tu pardonnes pendant cette année, cette belle fois. La Baba Santé, le Bébé Chakalabadou, Mende le Bébé Chahine de Kente, Rapa Sota qui l'a manégué, Nika Pasota qui l'a manégué, Mende le Bébé Chati Amanaga, Rabba Baba Baba Kombo aussi pour Kawarake, Yahweh, tout est plat de l'ennemi Seigneur, Yahweh, protège-moi contre la guerre du lion, 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 protège le ministère de l'éternel. Protège le ministère Seigneur, protège le ministère, la cassante Yamanego, les cassantes les Bobo, même les Bobo Chatalaba, le Kalababa Satel, la Kalababa Sotayeg, le Kabaraba Satel, la Prato Lamanege, les Prasota, Prasu Yamane. Le capaparabado, le kesete le berego, mandele vere shati abadego, rasota inabadege, rapo yade, resa, rasota, le katolobo de shandele berego, mandele vere resati abadego, rapa sota labadege, le kabababa sota inereke, le kasota yabadego, le kapasota labadego, le kabababa sandele berego, le kasuya manti abadego, rapa soya, zatele berego, zatela baraga. Le cassata la baracuta, le quinte le verusha yamanego, la passo la baraga, mande le verusha, le casso yamanego, mande le versatu yamanego, le passo yata, zakite le verego, mante le baba cosa, le cassata la baraga, le caparra sotekiana, zati amante, la soteke, la prato, le casso yamanego, mande le verusha yamanego, la papa sute le verego, le cassata la baraga. Le cabarossi a Made, il canto la Vadesia, la prato la Made, Mantia Manosh, Rarabaro, Rarabaro, Le Cata, Le Satalabada, Rato la Vadega,
Sauve le ministère, sauve le ministère, sauve le ministère, sauve le ministère,
sauve les ministères, sauve les ministères, sous la puissance des chiens, sous la puissance des chiens, contre la puissance des chiens, contre la puissance des chiens. Laisse-moi demeurer toujours longtemps dans ta présence. Laisse-moi demeurer toujours dans ta présence. Laisse-moi demeurer toujours dans ta présence, Seigneur. Laisse-moi demeurer toujours dans ta présence, Jésus. 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 Ne t'éloigne pas de moi, l'Éternel, Dieu. Ne t'éloigne pas du ministère, l'Éternel. 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 Ratayaba, rasotakiraba, le parochatiamande, la kosatiama, le paunanejatia, l'ampea, wabasiaba, mahila, 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 rasoyama de konta kina nejate, ne t'éloigne pas de ta ministère, l'Éternel. Ne t'éloigne pas de ta maison, l'Éternel. Ne t'éloigne pas de ta maison, Seigneur. Ne t'éloigne pas de ta maison, Seigneur. Ne t'éloigne pas de ta maison. Begin to pray, begin to pray. I want to pray, I want to pray. Speak in the tongue, pray God right now. Pray God now. Begin to pray, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rasa, reta inano, mantia mandego, rapa paribado,
le kasuta kia, le kaona mesate, limande le recha, le koto kiana, esaila bada, mahila sia, mahila, 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 la kaina recha tia, l'ampato rabadege, le tola n'est pas de menace, 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 le tola n'est pas de menace. La katia barabara, rababa, le kaya barege, le kasuta yaba, mandele berosha, le pauna rejate, le katula mana, le pa, le bara, le gala, le gala, le gala, le marabarosha, Ne te loigne pas de la maison. Yahweh, sauve le ministère dans la guerre du lion. Sauve le ministère contre la puissance du chien. 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 Oh, l'Esprit, cher Saint-Esprit de Dieu, descends dans ce lieu, Yahweh. Descends dans ce lieu, Yahweh. Descends dans ce lieu, Yahweh. Mesa la salaya, Rabada, Rabada, Rasota, la cota kira, mandele bedosha, landele bedego, Le palabada,
Mante, Zakuta Kianoza Tiamante, Le Prato Labado, Shayina Nekinta Namadose, Stevia Samanti Amado, La Prato Labadeke, Zata Labadeke, Lencanto Yanano, Masato Lobode, Rapo Sayidake, Stevia Sainano Containada, Mahila, Mahila, Rabado Shayina de Kenta, Lokazi Amante, Rapo Saide Kenta Kinano Shate, in Jesus' name. Mandele brado shati abadeus. Mandele brababado conte yade de desh. Le canto labado shati amante le brado shata. Landele brado dodo boshi telebe de kentakina nozati abade. Landele bede de de conta yida de shanti abado. Mandele brado dodo shati abade kenta ina nozate. Le telebe de shali da manozatia. Shali maze. Stevia saint lebe de conta mende le bradosa ina noza te amante le bradosa cali bradosa te abade le kushka kina noza te in Jesus mighty name. Thank you Holy Spirit. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez pour le Seigneur des Seigneurs. Acclamons pour le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Faites-moi Jéhovah là-bas. Yeshua. Et nous demandons à tout le monde de passer de ce côté ici. Ça sera bien pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. On va vraiment beaucoup prier. Ça, c'est juste le commencement.
Mais je veux que tu sois ici attentif avec moi. Parce que nous allons chuter dans un moment fort. Je vais enseigner quelque chose. Et puis on va passer à la prière. Nous sommes toujours dans les mois de prière. Dans les mois de prière. Aidez-moi avec de l'eau, s'il vous plaît. Yes. Mandele brado shati abades. Les palabado chante les bedos. On va parler sur briser la puissance de la sorcellerie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment la sorcellerie fonctionne, mais je vais vous montrer comment les briser, comment l'invoquer, comment détruire cet esprit de la sorcellerie. Et je vais vous donner des versets clés qui vont vous permettre, lorsque vous serez à la maison, et vous allez prier. Tout le monde, je crois que tout le monde a sa Bible ce matin. Parce qu'on va prier, je vais parler seulement 10 minutes. Et puis on va prier, commencer à prier selon des versets que le Seigneur m'a orientés. Combattre l'esprit de sorcellerie. Nous sommes dans les livres de Jérémie, chapitre 22, verset 24. Non, on peut commencer à 26. Verset 26 jusqu'à 29. Et vous allez noter Zacharie, chapitre 8, verset 12 à 23. Jérémie, chapitre 22, verset 26 à jusqu'à 30. Je lis au nom de Jésus. Je vous jetterai, toi et ta mère qui t'a mis au monde. Dans cette autre, on peut honorer la parole. Je vous jetterai, toi et ta mère qui t'a mis au monde. Dans cet autre pays où vous n'êtes pas né, et là vous mourrez. Ils ne reviendront jamais dans le pays où ils désireront tant de revenir. Jérémie chapitre 22, verset 26 à 30. Ils ne reviendront jamais dans le pays où ils désireront tant revenir. Est-il donc un patin méprisable et disloqué, c'est Yekonia. J'aime les versions. Je vais lire dans ces versions ici. Est-il donc un vase méprisé? Brisé, c'est Yekonia. Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? My God. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas né. Et là, vous mourrez. Mais dans les pays où ils seront le désir de retourner. Dans les pays où ils seront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, c'est Yekonia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité? Écoute. Lancé dans un pays qui ne te connaissait pas. Écoutez la voix de l'Éternel, toi peuple impide. Écoutez la voix de l'Éternel, toi la puissance de la sorcellerie. Écoutez la voix de l'Éternel, toi homme méchant, homme géant. 29.
Terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Terre, ici c'est l'Éternel qui appelle maintenant la terre. Il dit terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un enfant dont le jour ne seront pas prospérés, car nul de ses descendants ne réussira s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. My God. On va aller rapidement. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8. Zacharie chapitre 8. Verset 12. Oh my God. Car les semelles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits. Oh my God. Le ciel enverra les roses. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste du peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda, maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne crains pas que vos mains se fortifient, car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi je reviens en arrière et je résolus en ce jour de faire du bien en Jérusalem. On peut se limiter à la faute du temps. Prenez place. Oh my God. Thank you, Jesus. I feel power of a prayer. I want you to stay on this atmosphere. We are not calling to be a pastor. We are not calling to be a Christian. But when we understand we are child of God, God took us on the realm of spirits. Is that the place we have to live? We are not calling to live on this atmosphere. But God called us to be in his atmosphere. On the live on the city of Zion. When you live on the Zion city, everything is work is go through, because you are not calling to be ordinary man, but you are spirit. Because when you go to the realm of a spirit, you can see, you can prophesy, you can healing the people. But tonight, today, I want you to get ready for prayer. We're going to pray a break, a decree, and declare upon our life, in your life, your family, your wife, your kid, your money, your business, everything you turn around on your mind. Today, you have to break by the power of God. Lado labrado shanti abades. Mende kajuta yine neuzate abados. La Bible dit, il y avait un homme qu'on l'appelait Josias, Joachim. Le père de Josias, c'est Joachim. Le père de Yekonia, c'est Josias. Mais la Bible dit que ce peuple ici, c'était là en train de prier, d'invoquer l'Éternel dans leur vie, dans leur famille. Mais ça arrivait un moment, à cause de la puissance magnifique, à cause de la souffrance, à cause de toutes les choses, ces peuples-là, ils ont recouru devant le magicien, devant le sorcier, pour invoquer le Dieu étranger. Ces peuples-là, ils sont courus derrière pour chercher la protection, pour chercher l'élévation, pour chercher quelque chose qui n'est pas de Dieu.
Mais quand Josias a mis au monde un fils qui s'appelait Yekonia, cet enfant, il grandissait sous la soif de devenir roi, sous la soif de diriger, sous la soif d'avoir le pouvoir, sous la soif d'avoir l'argent, sous la soif de se marier. Mais il avait cette soif à lui. Je ne parlais pas de sa famille en général, mais le plus grand problème, je vais parler de Yekonia. Bien aimé, la Bible me dit ceci: Yekonia est allé chercher l'Éternel. Yekonia est allé commencer à prier, en disant: oh l'Éternel Dieu, je sais que tu es le roi, je sais que tu es l'Éternel, je suis venu devant toi, j'ai besoin de devenir roi, j'ai besoin d'être riche, j'ai besoin de me marier, si tu me donnes, je te ferai ceci, si tu me donnes, je ferai cela. Yekonia a oublié, d'abord dans les descendants de sa génération, il y avait la puissance de la sorcellerie, de la magie. Dans la Bible, quand on parle des magies, on voit la sorcellerie. Lorsqu'on parle de la magie, on voit la sorcellerie. La Bible dit cette famille était emportée par la puissance des magiciens, des occultistes, des choses qui n'adorent pas Dieu. Mais Yekonia, quand il est venu dans la terre, quand il est venu dans ce monde, il a commencé à prier, à demander la gloire à travers Dieu. Mais il n'était pas conscient du combat de la sorcellerie dans leur famille. Il n'était pas conscient des liens de leur famille. Mais Yekonia a prié, a dit à Dieu: j'ai besoin d'être riche, j'ai besoin de me retrouver aux États-Unis, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de faire ceci, cela. Mais une chose, l'Éternel a aimé, parce que l'Éternel a vu son intérêt dans sa prière, parce que l'Éternel a vu son intérêt dans sa prière. Mais l'Éternel Dieu dit: je te bénirai, je t'élèverai, je ferai de grandes choses à toi. L'Éternel a accompli des choses dans la vie de Yekonia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, parfois on peut prier, mais le combat de la sorcellerie s'élève dans nos vies. Mais Yekonia avait reçu la bénédiction de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui l'avait béni, Yekonia. C'est l'Éternel lui-même qui a donné à Yekonia le pouvoir d'être roi. C'est l'Éternel lui-même qui a donné à Yekonia l'autorité. C'est l'Éternel lui-même qui a donné à Yekonia toute génération. Mais la Bible me dit ceci: quand ça arrivait à un moment, Yekonia a reçu le pouvoir de dominer, le pouvoir d'avoir beaucoup de membres, le pouvoir. Est-ce que lorsque nous serons foule, lorsqu'il n'y aura plus la place dans ces lieux, est-ce que nous allons garder toujours la voix de Dieu? Est-ce que quand tu seras marié, est-ce que quand tu seras riche, est-ce que quand l'Éternel t'élèvera, est-ce qu'il y aura toujours la part de l'Éternel? Mais la Bible me dit ceci: l'Éternel a écouté la prière de Yekonia. Yekonia a reçu le pouvoir, il est devenu roi. Mais le plus grand problème dans ce siège, l'Éternel n'a pas regardé la faiblesse de son père, l'Éternel n'a pas regardé la faiblesse de sa famille, mais l'Éternel a donné à travers l'alliance que Yekonia a fait avec lui. Mais une chose, je vous dis, la puissance de la sorcellerie ne s'éloigne pas de vous si vous n'êtes pas encore délivré. La puissance de la sorcellerie ne s'éloigne pas de votre sang si vous n'êtes pas encore confessé. Lorsque vous allez confesser le péché, c'est là que la sorcellerie va vous quitter. Lorsque vous allez marcher à la sanctification, c'est là que la sorcellerie va vous laisser. Les magiciens de la famille de Yekonia, lorsque Yekonia a reçu le pouvoir, les magiciens ont regardé: oh, c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui donne la force. Mais pourquoi cet homme, cet enfant est devenu fort, cet enfant est devenu puissant? Mais jusqu'à quand? Les magiciens se sont réunis, ils ont allé présenter leur puissance occulte devant le roi Yekonia. Ils ont dit ceci: Yekonia, c'est ton père qui nous servait, voici le pouvoir de ton père. Si tu es avec nous, nous te donnerons la gloire. Si tu es avec nous, nous allons te protéger. Si tu es avec moi, le mariage ne sera jamais détruit. Si tu es avec moi, ta santé ne sera jamais touchée. Yekonia regardait des propositions, my God. Yekonia tournait le dos contre l'Éternel. Il a accepté de servir le Dieu étranger. Il a accepté de servir les sorciers. Il a accepté de servir les magiciens. Mais une chose que j'aime, l'Éternel: lorsque vous avez fait le vœu avec l'Éternel, l'Éternel n'attaquera pas ta business. L'Éternel n'attaquera pas votre vie. Mais l'Éternel rentrera pour réclamer son alliance. Le vœu que tu as fait avec Dieu, my God. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La Bible me dit ceci: Yekonia écoutait la prière. Yekonia était influencé par les mauvaises choses, les choses de l'entourage, le vent qui s'est présenté à lui. Yekonia regardait la gloire. Le peuple et les magiciens ont dit à Yekonia: si tu restes comme ça, le pouvoir sera volé, la gloire sera volée. Mais nous avons la gloire pour te protéger, my God. Nous avons la gloire pour te protéger contre les adversaires. Nous avons la puissance pour te protéger. Nous voulons te donner ceci. Nous voulons
te faire cela. Laisse-moi te dire, le sorcier de nos familles, il peut venir le matin au jour pour te présenter de mauvaises choses, pour parler des paroles. Dans notre siècle aujourd'hui, ce sont des paroles négatives, ce sont des paroles de découragement, ce sont des paroles de l'envoûtement qui se présentent dans notre vie. Mais écoutez maintenant l'Éternel. Quand l'Éternel Dieu a vu Yekonia détourner l'alliance, Yekonia n'a pas détourné le royaume, mais Yekonia a détourné l'alliance. L'Éternel Dieu s'est retourné. Il dit, oh Yekonia, tu as détourné, tu as détruit l'alliance que tu as fait avec moi. Bien aimé, ici je veux parler des choses surnaturelles. Je veux vous parler sur le temps. Je veux vous parler sur l'atmosphère spirituelle. Yekonia s'est retourné. L'Éternel Dieu a commencé à parler. Il dit, Yekonia, voici maintenant. C'est parce que tu n'as pas obéi à ma parole. C'est parce que tu n'as pas respecté l'alliance. C'est parce que tu n'as pas respecté le vœu. Moi, je n'étais pas là. C'est toi-même, tu priais dans la chambre. L'Éternel, j'ai besoin de ceci. L'Éternel, j'ai besoin de cela. Et puis, tu as fait l'alliance. Si tu me donnes le mariage, je te donnerai cela. Si tu me donnes le voyage, je te donnerai cela. Si tu m'élèves, je te donnerai cela. Mais lorsque tu y as réussi, il n'y a plus maintenant la part de Dieu. Voici ce que moi, je te dis. L'Éternel n'a pas envoyé un prophète. L'Éternel n'a pas envoyé un pasteur. L'Éternel n'a pas appelé des gens. L'Éternel a regardé la nature. L'Éternel a tourné le dos. Il dit, voici maintenant. Il a appelé la terre. C'est pour ça que je vous avais dit, la terre a des oreilles. Il attend la parole. Lorsque vous êtes un homme spirituel, tu peux te communiquer avec la nature. Tu peux te communiquer avec le vent. Tu peux te communiquer avec la mer. Tu peux te communiquer avec les oiseaux. Et d'écouter. L'Éternel est Dieu dit à Yekonia, oh terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Amen. On va prier. Père, écoutez la parole de l'Éternel. La première chose, pour détruire la puissance de la sorcellerie, tu dois, comme j'avais dit, je ne vais pas vous montrer comment la sorcellerie fonctionne, mais je vous donne des pistes pour détruire cette œuvre. Alléluia. Je pars rapidement parce qu'on va prier, il faut qu'on finisse avant. La première chose, tu dois, nous avons quatre mondes. Nous avons quatre mondes. Nous avons l'air, nous avons l'eau, nous avons le feu et nous avons la terre. Tous ces quatre mondes sont fonctionnés par la puissance des surnaturels. Lorsque vous êtes dans le realm of spirit, l'Éternel vous connectera dans ce monde-là. Lorsque vous êtes un homme spirituel, il ne faut pas être un chrétien, mais préfère être enfant de Dieu. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, l'Éternel vous connectera dans la puissance de sa gloire. Vous allez connecter vous. Écoutez maintenant, ici, l'Éternel est revenu, non pour combattre Yekonia, mais pour combattre la puissance de la sorcellerie. L'Éternel a regardé, il dit, je vais me connecter avec la puissance de la terre. Amen. L'Éternel a appelé la terre trois fois. Il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la terre, on voit des poussières, on voit des fruits, on voit des tonnerres dans la terre. Briser, combattre les esprits de la sorcellerie, tu dois dominer, communiquer avec la terre. Quand tu prieras, ne prie pas seulement, Seigneur, j'envoie les faits, non. Fais appeler aux choses surnaturelles. La Bible dit, l'Éternel a appelé la terre. Il dit, terre, terre, écoutez la parole de l'Éternel. Inscris cet homme comme celui qui n'a jamais avoir acquis les enfants. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, tu dois te communiquer.
quand tu pries pour détruire les œuvres de l'ennemi, tu dois appeler la tempête. Notez ce verset. Vous allez lire ça. Psaume 83, 13 à 18. Je vous donne ce verset pour vous positionner. Et vous allez voir ici, quand l'Éternel Dieu est descendu pour libérer la vie de Yekonia, l'Éternel a utilisé la nature. L'Éternel a utilisé la puissance. L'Éternel a utilisé, il a appelé les tonnerres. Il a appelé la mer. Il a appelé les choses sur la nature. Alléluia. C'est de la même quand le sorcier veut te détruire, le sorcier ne porte pas le corps de ta tante, le sorcier ne porte pas le corps de ta mère, le sorcier utilise la nature. Quand le sorcier veut voyager, il utilise les arbres, il utilise les choses, il utilise beaucoup de choses. C'est de la même avec toi aussi, si tu veux détruire l'esprit de la sorcellerie dans votre famille, entre aussi dans ces domaines. Lorsque vous lirez Psaume 83, vous allez voir ces choses. La trompette, la puissance de la sorcellerie. Je pars rapidement parce qu'on va prier. Lorsque vous priez, la terre, c'est l'armée. Je vous donne ça à noter. Combattre cet esprit avec l'armée de Dieu qui sont ensuite. Il y a le tonnerre. Quand tu combats, fais l'appel au tonnerre. Vous allez lire ça dans les psaumes 18, 12 à 14. J'avais dit, je vais vous donner des clés. C'est pour ça, quand tu vas commencer à prier la nuit, tu verras comment le Seigneur va commencer à agir. Ce que je vous donne, c'est l'armée de l'Éternel, pour combattre la puissance de la sorcellerie dans votre famille, dans tous les domaines, l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel numéro 1, le tonnerre, la tempête, l'ouragan, le feu, la foudre, le tremblement de terre, my God, la grêle, le flèche, la lance, les javelots. Est-ce que vous êtes en train de noter? Le tonnerre, la tempête, l'ouragan, le feu, la foudre, le tremblement des terres, la grêle, le flèche, la lance, le javelot. Ce sont l'armée de l'Éternel. Pour détruire l'œuvre de la sorcellerie, il te faut cette puissance. Appelez l'armée de l'Éternel. Voici maintenant des versets qui accompagnent toutes ces choses-là. Psaume 83, 13, 18. Mon Dieu, rends mes ennemis semblables au tourbillon. By God. Vous voyez? Ici, David appelle les tourbillons pour embellir quoi? Les ennemis. My God. Au sommet qu'emporte le vent, au feu. Voyez, il appelle d'abord le tourbillon. Lorsqu'il appelle le tourbillon, maintenant le vent qui vient là, c'est pour ramasser tout. Et le feu maintenant, c'est pour faire quoi? Consumer. Est-ce que je vous donne ces pistes? C'est pour ça qu'il ne faut pas, quand tu es à la maison, eh, le Seigneur, j'envoie le feu, le sorcier va couffer, les magiciens, non, les magiciens là, ils vont te regarder. Quand toi tu pries la nuit, et ils vont envoyer seulement l'arbre de venir devant toi. As-tu jamais entendu dans la profession, on te dit, nous avons vu un chêne entourer votre parcelle. Le Seigneur nous parle, c'est votre vie était bloquée. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont utilisé la nature. C'est de la même, notre Jésus-Christ, il est capable de marcher avec la nature. Il nous a donné ce pouvoir. Seulement nous les chrétiens, on ne sait pas comment communiquer avec Dieu. On ne sait pas comment communiquer avec les esprits divins. On ne sait pas comment invoquer la puissance de l'Éternel pour remporter la victoire à nous. C'est pour ça qu'on est en train de prier de jour en nuit, on n'apporte pas la victoire.
Lorsque vous lisez le psaume 83, vous allez voir combien l'Éternel Dieu, il est en train d'opérer dans cette armée. La Bible dit encore ceci. Je vais finir par ici. Écoutez, j'ai tout cité dans le livre de 83, 13 à 18 psaumes. Oh mon Dieu, rends mes ennemis semblables au tourbillon, au chômé qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuivez les ainsi de ta tempête. Oh my God, my God. Il appelle l'Éternel de poursuivre les ennemis avec quoi? Avec la tempête. Oh, calabrado chatia. Avec la tempête. Lorsque tu appelles la tempête de l'Éternel, l'Éternel, Jéhovah, j'appelle la tempête de l'Orient d'attaquer toutes les personnes qui veulent détruire ma vie, qui veulent détruire mes enfants. Que maintenant la tempête, accompagnée par le vent du feu, accompagnée à assumer toutes les choses. Tu verras, le matin comme ça, les choses changent. La brado chatiaba de Kentucky na nos athées. Lanto la bradoche. Je vais finir par ici. Écoutez, il dit encore ceci. Il dit, la tempête est fait trembler par ton nom. Oh my God. Il dit, fait trembler par ton ouragan. Eh, vous voyez? As-tu vu David a prié, a dit, Seigneur, j'ai besoin de l'armée, j'ai besoin des soldats, j'ai besoin des généraux. Tu as vu ça quelque part? Ici, David parle avec la tempête, l'ouragan, avec le vent du feu. David est en train de prier. C'est pour cela que quand tu prieras, le combat spirituel n'est pas qu'ainsi dit l'Éternel, on me fera la guerre, on ne me vaincra pas. Ils vont viendront, ils vont te tuer. Quand tu prieras, le combat spirituel de la sorcellerie, tu veux te libérer avec les sorciers. Ne prie pas. Oh, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué. Non, l'Esprit de Dieu est déjà sur toi. Mais quand tu veux prier pour détruire, il faut appeler l'armée de l'Éternel. Que David est en train de prier. Il dit l'Éternel, je fais l'appel à la tempête, je fais l'appel au vent du feu, à l'ouragan, que maintenant l'Éternel attaque les ennemis qui seront avec moi. My God, je finis. Hosanna. Ésaïe chapitre 29. Ça, je te donne seulement des versets de combat. Jonathan, viens. Viens rapidement. Ésaïe chapitre 29. Non, restez là. Restez debout là. Je vais finir avec cet exemple. Ésaïe chapitre 29, verset 6. C'est de l'Éternel des armées qui viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre, my God. C'est avec l'Éternel qui viendra des châtiments, des tonnerres, des tremblements, hein, de terre. Pour sauver qui? Pour sauver ma vie. Pour sauver qui? Pour sauver ma famille. Pour sauver qui? Eh, hey, my God. Quand tu liras ce verset, tu verras la puissance entrer dans ta maison. Tu verras le sorcier quitter ta maison. Je veux que tu sois forte dans le combat. Je veux que tu sois un vaillant dans le combat. Quand tu vas prier, ne prie pas seulement parce que tu as écouté, mais prie avec les insultes, dit l'Éternel. Lève-toi maintenant. Commence à prier. Oh, tu dis l'Éternel. C'est quand elle lève toi avec le châtiment, avec le tonnerre, avec les flammes de feu, détruis mes ennemis, l'Éternel descendra. Les brado chanta la bado si amante. Lorsque vous êtes, il y a encore l'armée. Je vais vous montrer cela partout le dimanche prochain. Et je vous dirai pourquoi ça, pourquoi ça. Mais aujourd'hui, je vous donne seulement un. C'est pour vous donner la force parce que vous êtes dans la terre. Écoutez, 2 Samuel, notez. Ce sont des versets clés de combat extraordinaires qui m'a donné la victoire dans les camps des ennemis. À chaque fois que j'ai un combat qui se lève, moi je ne prie pas Éternel, ouais moi. Je me lève avec ces versets bibliques. J'invoque les tonnerres. J'envoie les flammes de feu. 2 Samuel chapitre 22 verset 43. Écoutez, la Bible dit, je broie mes ennemis comme la poussière de la terre. Je les écrase. Je les foule comme la bouée de la rue.
Ici, on prend la rue, on prend de la boue, on prend de la poussière de la terre. Quand on parle de la poussière de la terre, on voit le corps humain. Quand on voit le corps humain, on voit la sorcellerie, on voit le péché. David et Samuel dit, je suis en train de détruire cette puissance dans ma famille. La puissance de qui? Des ennemis qui s'élèvent autour de moi. Maintenant, j'ai fini par ici. Il y a ce qu'on appelle le code spirituel. Je vais vous montrer ces choses. Parce que si je ne suis pas là, même quand je mourrai, vous avez la force vous-même. Parce que ce jour-là, devant Dieu, l'Éternel vous dira, je vous ai donné un serviteur qui vous enseigne tout. Ce n'est pas qu'on puisse être nombreux que j'ouvre ces choses. Écoutez, fais comme ça. Manta labrado chatiabadeus. Suivez-moi très bien. Lorsque vous voyez Jonathan, qu'est-ce que vous remarquez là? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quel symbole? De la croix, right? Ça, c'est la croix. Lorsque vous regardez l'horloge, regarde maintenant, montre, qu'est-ce que vous voyez? Mansa prato laba de chanti amante. Zako taïna non jati amante. Qu'est-ce que vous remarquez? Les brada sante le bede. C'est la croix, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez 9h, vous voyez 15h, vous voyez 12h, vous voyez 6h, ce n'est pas ça? C'est la croix, n'est-ce pas? La brado do chayante ilabado. So maintenant, lorsque vous voulez combattre l'esprit de la sorcellerie, la Bible dit l'Éternel s'est levé à 9h pour faire quoi? Pour prier. Marabasati abade. Moïse s'est levé vers quoi? Midnight entre les deux soirs. Pour invoquer quoi? Pour invoquer l'Éternel et Dieu. La brasota. La Bible dit ceci. C'est dans le profond sommeil avant le lever du soleil. L'archange de l'Éternel se lève pour arranger quoi? Et la brasoya manti abade. Bien, laisse-moi te dire, frère, tu me combats ou quoi? Écoutez, ça c'est la tête. C'est. Toutes les choses sont ici. Ici, c'est le midnight, 12h. Quand vous êtes à 12h, c'est ici-là. Tu te lèves la nuit. Quand tu rates ici, frères et sœurs, c'est de la même avec les sorciers. La Bible dit ceci. Quand l'étoile s'est élevée, les mages vers 12h dans les temps d'Israël, ils ont vu les... my God, ils ont vu l'étoile. Pendant que toi, tu es en train de courir pour dormir à 21h, pendant que toi, tu es en train de dormir à 22h, vers 0h, les sorciers de ta famille sont en train de regarder ton étoile. Les sorciers de ta famille sont en train de regarder ta bénédiction. Les sorciers de ta famille sont en train de regarder tes enfants, my God. Mais quand tu te lèves à minuit, tu commences à prier. La prière ici, ce n'est pas la prière d'acclamer. Ce n'est pas la prière de parler français. La prière ici, c'est la prière du feu. Parce que tu es en train de traverser les deux soirs. Tu finis notre journée, tu commences le nôtre. Quand tu pries ce soir, tu es en train de parler à langue. Tu es en train de lire le verset de l'Éternel que je vous donne. La sotte. Takia nana, ebraso takia, la prosa tia, evite démoniaque, tout est puissant de l'ennemi qui s'est élevé au milieu de la nuit pour détruire ma vie. J'appelle la tempête de s'élever, de combattre, de détruire l'œuvre de l'ennemi. Raso yatia. Ici, lorsque vous manquez ici, peut-être tu étais allé quelque part, tu es fatigué. Quand tu rentres, les sorciers viennent ici. C'est la tête pour détruire votre journée. Maintenant, my God, ici, la tête. Par exemple, tu t'es fatigué. Tu as travaillé toute la journée. Tu dis, je vais dormir à 21h, à 22h pour me réveiller à minuit. Ça arrive maintenant que tu ne t'es pas réveillé. Labrato. Maintenant, ici, ça arrive. 15h t'attends. 3h du matin. Ici, ne manque pas. Même si tu es fatigué, mets les larmes. Même si tu es fatigué, même si tu sens en toi des fatigues, même si tu vas te réveiller à 5h pour aller au travail, mais fais l'effort vers 3h du matin. Ici, je cache. Je veux vous réveiller ça le dimanche prochain. Je saute ça parce qu'ici, il y a un danger là-bas. La Bible dit ceci. C'était dans le profond avant l'aurore s'élève.
l'ange de l'Éternel est descendu. Il a combattu avec qui? Avec Jacob. C'est ici, c'est l'ange de l'Éternel est descend. Quand tu pries la nuit, quand tu pries au minuit, le démon quitte, l'envoûtement quitte, le plan de l'ennemi, toutes les choses qui étaient en train de t'attaquer, ça va partir. Mais vers 3h du matin, quand l'archange Raphaël lève, quand ange Michael vient pour te bénir, il va trouver l'endroit est vide. Il va trouver le chemin éclair. Pourquoi? Parce que tu as détruit ça au milieu de la nuit. Maintenant, à travers ici, l'ange de l'Éternel va t'accompagner. La journée ici, tu seras victorieux. La journée ici, tu seras vigoureux. La journée ici, personne ne t'attaquera. Personne ne va te toucher. C'est pour cela, quand tu te lèves le matin, l'ange de l'Éternel avait déjà promis la grâce. Tu te lèveras seulement comme ça. Si ton mari avait parti pendant des années, vers 2h du matin, il va commencer à t'envoyer le message. Vers 6h, 7h, il va commencer à te chercher. Pourquoi? Parce que tu as compris la clé de l'Éternel. Quand tu dépouilles les œuvres de l'ennemi à minuit, l'ange de l'Éternel s'élève. La Bible dit ceci: laisse-moi partir avant l'aurore. Lorsqu'on parle de l'aurore en Israël, c'est vers 4h30 et 5h du matin. Mais l'ange de l'Éternel est en train de dire à Jacob: laisse-moi aller avant que l'aurore se couche. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit de l'Éternel, l'Éternel t'amènera dans ce royaume. Quand tu es dans le monde de Dieu, peu importe les vents de la sorcellerie, peu importe les vents de l'envoûtement, c'est parce que tu es rempli de l'onction. L'Éternel attend de nous cette force. Mais si tu ne sais pas, tous les jours, toi tu pries à 20h, tu pries à 20h, tu pries à 17h, ça me reste combien? 2. Le temps est parti. Nous voulons prier. C'est de la même avec la journée. La brato la bachanti abade. Psaume chapitre 22. Notez ça. Verset Manta Librado 8. Vous descendez. David dit ceci: l'Éternel, sauve-moi contre la puissance du chien. C'était à 12h des après-midi. La brato la bachi a manté. Maintenant, ça peut arriver aussi. Vous avez manqué de vous réveiller à 3h. Mais il y a encore ce qu'on appelle la seconde chance dans le temps de Dieu. Nous ne sommes pas en train de courir devant le temps des warehouses. Moi, je ne cours pas. Je ne suis pas un pasteur. L'Éternel ne m'a pas envoyé. Moi, je suis né dans la ville de Sion. L'Éternel m'a ouin. Il m'a rempli par la puissance. Quand je suis devant les démons ne résistera pas devant moi. Quand je suis devant les occultistes, ne résistera pas devant moi. Mais lorsque vous manquez cela, le Seigneur vous attend maintenant. Vous voyez, ça vient, vous manquez les dés ici. Lorsque vous manquez les dés, ici, l'ange que l'Éternel a déployé pour te bénir, il ne va pas rentrer. Ce qu'il va faire, il va descendre. L'horloge descend, pan, 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 pan. Avant l'aurore se présente à 6h, lève-toi. Between 4 o'clock in the morning. Peu importe, tu es pressé du travail. Avant 6h01, présente-toi devant Dieu. Je vous donne ces pistes, frères. Tu vois, souvent, quand je viens ici, je commence à prophétiser. Je prépare ça déjà la nuit. J'appelle la puissance de Dieu. Il m'amène dans la ville de Sion, revêtu de la gloire. Quand je suis ici, le Seigneur expose vos vies. Le Seigneur expose la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce que je comprends cette arme de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je comprends. Même ici, maintenant, ici, c'est pour arracher. Lorsque vous êtes arrivé maintenant, dans ce temps ici, vous avez perdu. Mais 6h, et les kélaïotés, tu es devant Dieu. Prie. À 6h, between 4 o'clock and 6 a.m. Ce sont ces temps-là que vous êtes plongés à la profondeur du sommeil, vrai ou faux. Ce sont les temps-là que l'ange de l'Éternel vient maintenant te réveiller.
te montrer des choses à venir. Si vous avez raté ici, vous avez raté à 3 heures. Tu verras 4 heures du matin, pile. Tu verras un grand attaque dans votre sommeil. Pourquoi? L'ange qui est venu, il n'a pas pu rentrer avec cette bénédiction. Ce qu'il va faire quoi? Il va te tourmenter la nuit. À côté du trésor de ma case. Quand tu te réveilles comme ça, tu as les airs. Automatiquement, mis sur ce qui n'a air. Quand tu te réveilles, autant maman, 4h30, au bandit maman, prier. Moton Azambezi qui ça, le feu de l'éternel, attaque l'union surtout. Pourquoi? Parce que déjà jeudi, lundi, baloba yoko koukouf en accident. Déjà parti à minuit, baloba yoko koukouf en accident. Baba yoko bongate, libala no yoko beba, bako bala yote, balano bako bongate, oko simbelo ko morote. Là, l'ange de l'éternel a essayé de couper sa seconde gloire pour préparer la journée à 6 heures du matin. Je couvre les dés. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ouvert avec l'esprit? Ces versets je vous ai donnés, frère. Nous voulons prier. Utilisez ces versets chaque jour, chaque nuit, chaque matin. Vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Je vous assure, frères et sœurs, priez. Avant de détruire cet esprit, la première chose, soyez sincères. Sanctifiez-vous. Alléluia. Soyez sincères. Priez, Seigneur, j'ai péché. Je me suis emporté comme un être humain. Purifie-moi. Quand tu fais cette prière, c'est là maintenant que tu vas commencer à implorer l'onction. Lorsque vous implorez l'onction, allez dans ces versets. Appelle le tonneur. Boya, nabengi kake na lola. Yako telema pembeni nanga. Nabengi mabanga ya moto ya nzambe. Boya to telema awa. Nabengi mai ya moto. Ebale ya munene. Yako telema liboso nanga. Maintenant nazo kende na bino elongo. Nakati ya monda tenebre. Esika bakoma identité nanga na sorcellerie. Natindi mai ya moto. J'envoie l'eau de feu. Natindi vent du feu. Commence à ramasser. Commence à détruire. J'appelle le tonneur. Là où on a construit l'hôtel dans ma vie. Que le tonnerre et le tremblement de terre s'effacent. Là où on est en train de manipuler ma famille, le tremblement de terre s'efface. Lorsque vous êtes en train de prier dans le realm of spirit, l'Éternel a besoin que tu entres en vous. Écoutez, l'Éternel et Dieu a dit à Nicodème. Nicodème a dit, montre-nous le Père. Il dit, Nicodème, je suis le Père. Jusqu'à quand je suis avec vous? Tu n'as pas encore vu le Père. Pourquoi? Parce que Nicodème, le langage de Nicodème est le langage physique. Nicodème ne pouvait pas voir en dehors la parole. Nicodème ne pouvait pas voir derrière la puissance. La Bible dit à cette femme, donne-moi de l'eau. Je sais que l'homme que tu es en train de vivre avec lui, ce n'est pas ton homme, c'est l'homme de toi. Cette femme est en train de regarder. Elle n'a pas compris. Pourquoi? Parce que c'est une femme physique. Mais derrière la parole, c'est l'Éternel attend de nous, my God. La Bible dit ceci. Oh, l'Éternel, donne-nous le pain. Dieu a dit ceci. As-tu déjà vu le pain du roi qu'on donne aux chiens? Cette femme a dit ceci. Ce n'est pas ce que toi tu es en train de parler. Mais moi je vois derrière la parole, derrière cette puissance, même les miettes qui tombent dans les tables du roi, le chien mange, le chat mange. Cela veut dire ceci. Même derrière ta parole, moi je vais aller au-delà de ces choses. Moi je vais aller au-delà de ces choses. Pourquoi? Parce que la puissance de l'Éternel est sur moi. Je parle à toi ce matin, mon frère, ma soeur. Je veux que tu sois rempli de la puissance. Je veux que tu sois rempli de l'onction. Je veux que tu montes dans les lieux très hauts. Je veux que cette génération, frère, nous avons besoin de l'onction d'Élisée. Nous avons besoin de l'onction d'Enoch. Nous sommes un tribu d'Enoch. Enoch est rempli de la puissance. Quand il se lève devant les montagnes prennent foot. Pourquoi? Parce que Enoch est un homme ordinaire, mais revêtu de la puissance et de double portion. Quand le prophète Élisée retournait, le peuple en parla, disant, le prophète en est en train de mourir.
l'eau est devenue amère. Personne ne peut boire. Le prophète a dit ceci: je ne vois pas l'eau amère. Donne-moi le sel. Il est parti au-delà de la parole. Quand tu es dans le monde spirituel, ne reste pas seulement avec les ainsi dit l'Éternel, mais entre dans le lieu très puissant. Entre dans le lieu très saint. La Bible dit il y a le lieu saint. Il y a aussi le lieu très saint. C'est là où que nous sommes en train d'aller. C'est du matin, bien-aimé. Je veux que tu sois fort. Lève-toi maintenant. Je veux que tu sois puissant. Je veux que tu sois revêtu. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier pendant ces 5 minutes. Rapatiamante. Si tu sais parler à langue, begin to pray in the tongue. Parce que quand tu parles à langue, les chiens sont en train de tomber. Les murailles sont en train de tomber. La prate aussi amante. Quand tu es en train de parler à langue, des choses, il est en train de tomber. Begin to pray right now. Commence à dire: Seigneur, revêtis-moi de l'onction. Revêtis-moi de la puissance. Revêtis-moi de ton onction. Revêtis-moi. Begin to pray. 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 Bien-aimé, prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Begin to pray. 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 Je vous sens en bâton du sonné, pas quoi. Je vous sens en bâton du sonné, ma foute en aïe. Je vous sens en bâton. Je vous sens en bâton. Begin to pray. This morning. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Bien-aimé, pray. Je dis sans âme. Lorsque ce matin, Jéhovah. Lorsque ce matin, Jéhovah. Lorsque ce matin, Jéhovah. Rapasi abadego. Le katalabade. Mendele bashuta inado. Le kasata. Le pratalaba shanti abade. Pray. Bien-aimé, sambela. Je dis sans âme. La tonga le long. Na yeli boso na yo. Ton disanga le pa kwa na yo. Ton disanga la mafuta na yo. Ton disanga la anksyo na yo. Ton disanga fungo la nga zambe. Yo bisa zamba fungo la yo. Yo bisa zambe se matin. Diyaje revêtis-moi. Diyaje revêtis-moi. Diyaje revêtis-moi. Diyaje revêtis-moi. Rapa yabade. Le pa sota la. Le kanti yamade. Le pa barabadosh. Revêtis-moi l'Éternel. Ouais-moi ce matin yawe. Ouais-moi ce matin yawe. Oh Seigneur, tu as dit que toutes les choses, je lierai sur la terre, il sera aussi lié dans le ciel. Lorsque cette parole soit accomplie aujourd'hui, l'Éternel bien aimé, la Bible me dit ceci: l'ange de l'Éternel crampe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Lorsque ce matin l'Éternel, lorsque ce matin Yahweh, revêtis-moi par ta puissance, revêtis-moi par ton onction, revêtis-moi l'Éternel Dieu, revêtis-moi l'Éternel Dieu, revêtis-moi l'Éternel Dieu, revêtis-moi par ta puissance, revêtis-moi par ton onction. Begin to pray. Rabanala, rabanala, repasuta irado, le kanti amade, le papa rabadosh, le kanti amadege, le palabado shinta irego. Begin to pray. Commence à prier. Maintenant, fais appeler le feu. Écoutez. Nous voulons maintenant entrer dans cet esprit. Lorsque vous lisez dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27, la Bible dit: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et voler et sortir de la même, avant d'abord de bloquer cet homme fort. Mais la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 1, verset 9 jusqu'à 10, la Bible dit: cet homme est un homme fort, il est devenu pour détruire l'œuvre de Job. Bien aimé, nous voulons prier maintenant. Quand on parle de la sorcellerie, on voit l'homme fort. Quand on parle de l'envoûtement, on voit l'homme fort. Tu es envoûté dans quel domaine? Tu vas appeler maintenant. Bien aimé, je te donne l'état. On va finir bientôt. Je te donne l'état. Je veux que tu prie comme jamais. Je vous ai donné des versets. Je vous ai donné des ainsi dit l'Éternel. Je vous ai montré l'armée de l'Éternel. Et c'est quoi? Banda kobenga armée wana. Banda kokota. Na libota na yo. Na banana yo. Na santé na yo. Begin to pray wana. Rabade. Le kasi amadi. Le parabadodo. Le
parabadodo, les parabadodo, l'éternel Dieu des âmes. La Bible me dit ceci: tout ce que je lierai sur la terre, il sera lié dans le ciel. Tout ce que je lierai au ciel sera lié sur la terre. Yahweh, je lis maintenant tout esprit de la sorcellerie. Je lis maintenant l'esprit de la sorcellerie dans ma vie, l'esprit de la sorcellerie dans ma santé, l'esprit de la sorcellerie dans mon corps, l'esprit de la sorcellerie dans ma vie, dans cet ministère, l'esprit de la sorcellerie, les bradas, les kati amade. Priez, invoque le tonnerre, invoque le tremblement de la terre dans ta famille, dans ta santé. Eh, parabadala, repassi abadego, begini pray, bien aimé, kota, invoque, ra, rebalada, reparabado, le cantiabade, limande rebadesh, le cantiabadego, mantele bede, zati abade, le parabadosh, mende le bede kushka kia, moto, le feu de l'éternel, Yahweh, tout esprit de l'ennemi, je combats l'esprit de la voix, j'appelle le javelot, j'appelle le démon, au nom de Jésus, le bras d'achat, le bras rabadosh, mende le bede kushka kia, le kasata, Priez. Demain, je veux que tu pries. Esprit à sorcellerie, la cache à santé là-haut. Tout esprit qui vient dans tes pensées, tout esprit négatif qui vient dans tes pensées, les pensées de tes enfants, les pensées mal, pendant qu'on s'amène, pendant qu'on détruit, les bras satia, les bras d'achatia, Mahila, Jehova, et pas, Ramana, Reparabana, Reketelebado, La Sutakiyama, Begele pray, le tonnerre, l'ouragan, le feu, les chagrins, les grêles, les flèches de l'éternel, na kachabomo inayo, na pensée négative, na pensée à destruction, toutes tes manipulations, le tonnerre, le tremblement de terre, dans le camp des adversaires, le tremblement de terre, dans le camp de l'ennemi, le tremblement de terre, dans le camp de la victime, begin to pray, Le Katia, Mahila, le flamme de feu, les flèches, les sauterelles, et que le cocotte, et que le cosique, et que le cause à la dépit, au nom puissant de Jésus, Yahweh Bissika Bakamakinga, esprit à sorcellerie, tout est homme fort dans ma vie, dans mon chemin, j'appelle le tremblement de terre, j'appelle le vent de l'Orient, j'appelle le vent de l'Occident, et que le cosique s'abango, tout est homme fort devant ma vie, l'échec dans mon mariage, l'échec dans mon ministère, j'ordonne à cet esprit de libérer mes enfants, de libérer ma santé, de libérer ma vie financière, de libérer mon corps, et les speak in the tongue, rapaya, retaonaja, begin to pray, entre dans le cas de l'ennemi, entre dans le cas des adversaires, récupère tes enfants, les tonnerres brisent, bien aimé, pray, ne te fatigue pas, entre, regarde ta vie, regarde ton chemin, nous sommes une salie réputation là, nous sommes une baby salibale là, nous sommes une baby sans santé là, pray,
Entre dans le royaume du spirit. Entre dans le voyage de Dieu. Entre, détruis tous les points. Les ennemis étaient détruits. Ils ont volé ton argent. Ils ont volé ta santé. Le kati abade, la parabada abade, le kantala abade, la zouta abade, speak in the tongue, begin to pray, la prato la bashite, mendele bedouche, banana yoba récupéré, santé na yoba tikango, libala na yoba tikango, moisi na yoba tikaye, mobali na yoba tikaye, benga moto na zambé, benga le tremblement de terre, benga nyose équipe, le flamme de feu, le flamme de feu, rapasi abade go, l'ouragan de l'éternel. L'ouragan de l'éternel, Waba, le parabada, le satiabadeba, le parabada, le katiabadeba, le parabada da chanté. Pray, 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 pray like never before, 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 pray. Un plein l'onction de l'âge, un plein l'onction d'Élysée, un plein l'onction de Noc, un plein l'onction de Moïse, un plein l'onction de Noc, un plein l'onction d'Élysée. Rapa papa, repassu abadé, la cou satia, mandi abado, le satia, le katia, le parou, le masiate, le feu de l'éternel. Je récupère la vie, je récupère la santé, le tonnerre dans ton argent. Pray, pray, pray. I want to hear why you pray. I want to see you pray. I want to see you break every chain. Every witchcraft in your family. Every witchcraft in your family. I pray. I cast out by the power of God. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. I break every principality. I break every demonic. I break every principality. Every darkness. Every enemy from the darkness. Every prophetic and spirit bad, I break, begin to 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 break, repara, rati abade, le kababababa, le barabade, le teyamade, la bababade, mendele bede, le karaba, le la parabasha, le parabadosha, le kante yabadosha, mendele bedusha, le kasia, hey, pray, I want to pray, I want to pray, I want to pray, I want to pray, break every chain, break every witchcraft, every sorcellerie, toute sorcellerie dans ta famille, toute sorcellerie dans ta santé, oh, écoute dans l'autre nayo, tout esprit de l'envoûtement, les dominations, manipulations, l'échec, d'abus sexuels, le désir dans ta famille, every désir, every cancer, every HIV, break, break, rapa, repassia, 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 mendele bedoche, dans mon mariage, dans ma santé, dans mon travail, personne ne touchera, j'appelle le tonnerre du ciel, j'appelle le charbon de feu, y'a qu'elle te détruit, y'a qu'elle te coque, y'a dans ce ministère, le tonnerre tremble, j'appelle le tremblement de terre dans cet ministère. Esprit ne se bloque en haut, esprit ne se télémaque pour ne détruire le ministère. Repassia, éveille l'esprit de Jézabel, l'esprit de Jézabel, l'esprit de Delila, l'esprit de Delila, et rapababa, repassia là-dedans, l'esprit de Goliath, la sorcellerie de Goliath, et pas en a. Pray, 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 ra, repayabada, repayabada, begin to pray, begin to pray, oh my God. Écoutez, bien-aimé, vous m'envoyez debout ici. J'ai commencé à prier depuis 3 heures du matin.
Jusqu'à maintenant, je suis en train de prier toujours. J'ai prié, j'ai fini à 4h30 chez moi à la maison. Parce que je n'étais pas pu venir à l'église. J'ai commencé à prier à 3h du matin. Jusqu'à 4h30. Quand j'entre dans la chambre, je ne dors pas. Je lis la Bible. J'ai révisé. Je suis venu ici. Papa Félix nous a amenés dans le cantique. J'ai prié. Pendant, on ne donnait même pas de requêtes. J'ai prié. Mais jusqu'à là, je suis en train de prier. Écoutez. Jésus-Christ est retourné. Il dit aux apôtres, il dit, jusqu'à ce temps, vous dormez toujours. Vous n'avez quand même pas de prier, même une heure du temps. Même une heure du temps. Il est en train de parler. Il dit, même une heure du temps, vous ne pouvez pas prier. Faites-moi ça, Jonathan. Même une heure du temps. La force de la prière qui est sur toi, c'est ça qui t'amènera dans le realm of the spirit. C'est ça qui t'amènera, te fera sortir. C'est là. On finit. Je vais te donner ça. Et puis, je vais déclarer ces choses. Ça, Matthieu chapitre 18, notez ça. On finit ici. Ça, tu vas faire geste prophétique. Je te donne seulement une minute. Matthieu chapitre 18, verset 18. Tu vas faire geste prophétique. Matthieu chapitre 18, verset 18. La Bible dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Tout ce qui liera sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je veux que tu pries maintenant. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit que tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Sur ces paroles, je lis l'esprit de la pauvreté. Ici, ce sont des déclarations prophétiques que je vous donne. Dieu dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais béni le Seigneur, vous êtes tombé dans un ministère de combat spirituel. C'est ici la maison de Sion, là où il y a la prière chaque matin, chaque jour. Je vous donnerai ce verset jusqu'à ma mort, afin que vous ayez la force. Quand vous quittez les Sion, vous êtes fort. Tu vas commencer à déclarer maintenant ces choses. Qu'est-ce que tu es en train de délier? Ta famille, tes enfants, ça c'est geste prophétique. Je te donne seulement une minute. Je ne sais pas. La Bible dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Tout ce que vous délierez sera aussi délié. Dieu nous a donné le pouvoir de parler, de dominer. Je vais comme ça, tu pries maintenant. Si tu sais que Moutakoyo, ka prière, na yo, la salle est grande. Je veux que tu pries. Zambe, na délié moi si nanga na voutouma na manipulation. Na délié banananga na échec. Na délié bango. Na lié esprit sur la contrôle. Je vous donne ces pistes. C'est comme ça que vous allez prier que les esprits ne domineront jamais dans votre vie. Begin to pray now. Pray in Jesus' name. La brabado santi abade le kenta ina noza ti abade mende le bedo shati abade konta kina noza ti abade le praba sota ina de go menti la bado sati abade mente le bedo shati abade konta kina noza te. Pray. Lié. Bien aimé. Ça, ce sont des gestes prophétiques. Tu fais ça avec la foi. Quand Dieu nous dit tout ce que vous lirez, cela ne veut pas dire on va lier avec la beauté, on va lier avec le charisme. On lit avec l'autorité. Tu es en train de lier. Yes. La pratia. Je suis en train de délier ma femme. Là où les ténèbres ont mené ma femme, je suis en train de délier. Là où les ténèbres ont mené mes enfants, je suis en train de délier. Là où les ténèbres ont mené mon ministère, je suis en train de délier. Je lis. Je suis en train de lier l'esprit des morts. Je suis en train de lier la pauvreté, l'échec. Je suis en train de lier tous tes contrôles sataniques, tout esprit de la magie, tout esprit de démoniaque qui confesse pas Jésus-Christ. Je suis en train de délier au nom puissant de Jésus. Pray.
Gracia. Only you Jesus, kakaye zambe, delie, bandako delie, sante na yo, non c'est ça anormal, nakacha foyer na yo, non c'est ça anormal, nakacha bana na yo, commence à délier, bakanga bino wapi, mbe ba pense na yo, ba makanisi na yo, le sentiment interne, délier yango, bandako délier, bandako lié, ozo délier pozo lié, ozo lié pozo délier. Nous sommes en avantage dans notre délié. Nous sommes en désavantage dans notre entrée de lier dans les lieux célestes. Sur la terre, tout ce que vous lierez, il sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lierez sera lié. Sera lié. Sera lié. Il y a un acteur lié. Ennemi à ministère. Démon géant à ministère. Homme fort. J'ai lu. J'appelle l'ange Raphaël. N'a que lié. N'a que lié. N'a que lié. N'a que lié. Le bala, le bala, le bala, le parabade, le cantiabade, la marabadeche, mendelebede couche, mendelebedeche, mendelebedeche, le cantiabades, rabade, le parabadeche, le cantiabade, mendelebedouchia, mendelebede conta, le passouyane, manteke le babouche, au nom de Jésus. Le carabadoche. Au nom de Jésus. Mante les bras douches. Réponds après moi. Stop-moi ça, Jonathan. Je veux que tu reprends ces prières que j'ai composées la nuit. Fais ça ensemble avec moi. Dis, ô Éternel, Dieu, envoie l'ange de l'Éternel me secourir. Ô éternel Dieu, envoie l'ange de l'Éternel me secourir dans ce combat. Qu'il m'arrache au danger devant mes ennemis, les sorciers et les mystiques du ténèbre. Qu'il les chasse et les poursuive. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel, par son épée, les taille en pièces, qu'ils s'éteignent à jamais, comme un feu d'épine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, envoie l'ange de l'Éternel, me secourir dans ce combat, qu'il n'arrache au danger, devant mes ennemis, le sorcier et le mystique du ténèbre, qu'il chasse et le poursuive dans le nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel, par son épée, les taille en pièces et qu'il s'éteigne à jamais comme un feu d'épine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier. Père, tu as écouté les soucis de ton peuple. Tu as dit dans ta parole dans les livres de Hébreux chapitre 14, Hébreux chapitre 1er verset 14. Tu as dit, ne sont-ils pas des esprits que Dieu a créés afin de conduire, de marcher à la faveur de toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Oui. Ce sont des esprits que tu as créés pour marcher à notre faveur. L'ange de l'Éternel, la Bible dit, tu crampes autour de nous pour nous arracher au danger. Je vais déclarer que cette semaine, Yahweh, que cette semaine soit la semaine de faveur pour ton peuple, je déclare. Que cette semaine vous donne tout ce que vous désirez. Que le lundi vous soit en rose.
Je vais commencer à déclarer sur ta parole, tu reçois seulement, tu dis amen. Je déclare les lundis te donnent la rose. Je déclare les lundis te donnent l'argent. Je déclare que tous tes yeux démoniaques ne te verront jamais. Je déclare que tu n'échoueras jamais. Je déclare que tu seras la tête et non jamais la queue. Je déclare que toutes tes pensées négatives seront loin de toi. Je détruis tous les principautés du ténèbre. Je renverse le combat de l'ennemi dans ta vie. Je scelle ta vie par le sang de Jésus. Tu seras la tête et non jamais la queue. Tu seras le Josué de ta famille, tu seras l'Esther de ta famille, que la gloire de l'Éternel t'accompagne, que tu prospères comme l'état de ton âme, que toutes tes promesses de la semaine l'Éternel l'a prépris, ce soit en toi au nom de Jésus Christ, que tu ne manqueras jamais l'argent cette semaine, là où on parlera du succès, on voit ton nom, là où on parlera de la stabilité, on voit ta famille, là où on parlera de l'élévation, on voit toi, je signe ton nom dans le lieu céleste, je signe ton nom dans le lieu de très haut. J'appelle l'existence des choses qui n'existent pas dans ta famille. J'appelle la réconciliation dans ta famille. J'appelle le vent de l'Est dans ta famille. J'appelle toutes les choses qui étaient dispersées soient remplacées au nom de Jésus. Que tu ne mourras jamais. Que les lundis t'obéissent. Que les mardis t'obéissent. Que le mercredi t'obéissent. Que le jeudi t'obéissent. Que le vendredi t'obéissent. Le samedi t'obéissent. Le dimanche te donne la gloire. Que je prophétise la gloire, que je prophétise la gloire, tu quitteras ici à un autre homme, tu quitteras ici par un autre visage, tu quitteras ici avec la gloire, tu quitteras ici par la tête, tu seras la tête et non jamais la queue, tu quitteras ici avec la victoire, tu quitteras dans ce lieu avec le succès, là où tu avais laissé le tourbillon, tu rencontres la paix, je prophétise le shalom dans ta vie, je prophétise la gloire dans ta vie, au nom puissant de Jésus Christ. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. À quoi sert bon de demeurer dans des bois de nuit, dans des bars, à la maison, dans nos houses? À quoi sert bon? Mais quelle joie d'être devant toi. Voici comment tu nous as remplis par les ailes de tes anges. Voici comment tu es merveilleux. Merci pour ce moment merveilleux, Seigneur. Donne-nous encore la force d'être devant toi le dimanche prochain, quand nous allons célébrer encore ton nom. Remplis-nous la sagesse, la force et l'intelligence. Bénis ton peuple. Tu m'as dit, Dieu, je suis derrière ta parole pour l'accomplir. Voici ton peuple, ils ont prié pendant longtemps. Ils ont déclaré des paroles. Ce que je viens de faire, Seigneur, je signe ces paroles par le sang de Jésus-Christ. Que ces paroles accomplissent, que tu marches dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Tenez nos offrandes rapidement. Tu as ta dîme, viens avec ça.